Bonsoir tout le monde, jeudi à c'est mercredi 12 septembre 2018. Bienvenue dans la troisième sortie journal Mitan Journée. Dans la page météorologique, là, nous recevons un collaborateur, nous, Wilner Polidor, pour conditions temps. Wilner, bonsoir, dis-nous qui j'en sais. Merci Pasco, branché télévision nationale d'Haïti. Merci Pasco à l'écoute et nous parlons comment conditions météorologiques aujourd'hui sous région Caraïbes là. Nous gagnons en altitude un flux un creux en altitude qui a influencé Caraïbes centrales là dont Haïti. J'en ai creux ça, il est vraiment très prononcé sous pays d'Haïti et il a provoqué une masse d'air humide sous pays là et masse d'air ça, il a supposé provoquer quelques averses sous pays d'Haïti et j'en ai en pile département concerné par activité la vie. Mais pour aujourd'hui, on a gagné pour temps sensible. Si on journée cap ensoleillé au cours de journée avec bel soleil, avec température qui a à la hausse, mais en fin d'après-midi, en soirée, j'en ai la majorité des départements concernés par activité rapide. Région sud là, bien quelques activités rapides. Et nous dit région sud, c'est tout département, c'est-à-dire Grand-Est, le NIP, département sud, sud-est et département de l'ouest. Et aussi Artibonite avec Santa concerné par activité rapide. Et quelques averses isolées étaient possibles sous région nord. Cela veut dire que tout pays est supposé concerné par quelques averses rapides isolées. Mais il y a un côté qui a faible à modérer avec beaucoup de l'orage par rapport avec situation humide et instable ça sous pays d'Haïti. Pour capitale avec zone qui environne son capital qui encore en bas instabilité, mais au cours de journée on a gagné un temps qui ensoleillé sous capitale avec zone qui environne lieu, mais pour commencer gagner passage nuageux en fin d'après-midi et qui pourra provoquer convection profonde et convection ça yo t'a supposé provoquer quelques averses à sous capitale là encore à soir. Disons en fin d'après-midi ou en soirée et avec ça capable faire à modérer et avec quelques coups de l'orage sous capitale avec zone qui environne le surtout sous quartier qui trouve au sud et au sud-ouest de capitale pays d'Haïti et nous avons température aujourd'hui à capoter jusqu'à 34 degrés Celsius, ça fait chaud sous pays encore et la descente c'est 22 degrés Celsius. Pour la mer, nous avons une mer qui agité sous majorité côte nous côte sud pays d'Haïti avec golfe de la Gonave, la mer elle peut agiter mais côte nord c'est une mer qui agité et mais des capitaines ont des précautions mais ils sont capables de naviguer parce que pas gain trop soucis sur majorité zone côtière New York et pour pas jouer sur le micro je dis à soir là à coucher à 7h à 6h57 minutes et la levée de matin à 6h37 minutes. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée. Merci Wilner et bonne fin de journée à vous même tout. L'actualité à exécutif là convoqué pour jeudi mercredi 12 septembre nan corps législatif là dans cadre d'une session extraordinaire. Session extraordinaire ça consacré à ratification déclaration politique générale premier ministre nommé d'après moniteur 11 septembre 2018 là. Une session extraordinaire qui t'a dû durer jusqu'à ce que objet convocation fini. L'autre dossier, député circonscription Mirbalea Abel Décolline, critiqué l'état qui gagne un processus pour mettre campé un nouveau gouvernement après démission du gouvernement Jacques Guy Lafontaine. Parlementaire a dit qu'il n'y a pas comprendre comment faire gagner un arrêté qui nomme un série ministre alors qu'il n'y a pas rempli les conditions. Nous invitons à suivre. Un citoyen capable d'accepter que vous nommez ministre et que le connaît préalablement. N'est pas respecté les prescriptions de la loi, n'est pas respecté les exigences constitutionnelles. Ces ministres, pour la plupart, sont choisis par des partis politiques qui pas rassuré que Mounsa a respecté les critères constitutionnels. Donc, nous autres, au niveau de l'opposition, au niveau du G16, c'est avec tristesse qu'on a constaté plus de 2 mois depuis le départ de Jacques Guy Lafontaine, nous encore, pays a encore dans l'attente de mise en place d'un gouvernement.
Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale clôturé deuxième session année législative là lundi 10 septembre 2018 là. Député circonscription 15 Kof là Alfredo Antoine qui t'a participé dans émission mise au point Ayemadi 11 septembre là exprimé insatisfaction sur travail Assemblée députée a réalisé pendant période ça. Député Alfredo Antoine a répondu question Jean-Pierre Junior Lindor. Capable de dire bilan li très maigre au niveau la Chambre des députés, surtout nous conscients de ça, mais ça remontait avec plusieurs problèmes qui étaient gagnés tout au long de la session. Ça. Maintenant, et c'est ça que expliqué, nous pas présenté bilan, j'en sais qu'on fait dans la séance de l'Assemblée nationale pour faire mes sessions. Bien entendu, bah, qu'on est pour qui raison que bureau Assemblée nationale là pas de fait, traditionnellement j'en ai fait. Et mais il y a un bilan, t'est distribué avec tout parlementaire. Et je crois que journaliste qui est accrédité au niveau parlement, il y a accès avec bilan de manière exhaustive que il y a là même. Mais qui ça selon vous qui a marqué session ça pour député député Alfredo? En termes ou en termes d'activité, que ce soit pour voter loi ou bien des débats politiques, que vous estimez que nous devons faire et pendant la session. Je sens que nous avons un bilan qui est un peu qui est très maigre. Ça n'avait dit pas fini du tout? Non, pas en termes de loi, qui de quantité de loi. Donc, ma dit que nous avons voté, c'est vrai que je ne peux pas énumérer le nombre de lois, mais nous avons gagné près de 6 propositions, 6 projets de loi qui votaient et 2 propositions de loi, et plus l'autre activité parlementaire, législative que nous arrivons. Posé dans la question et nombre de commissions, travail qui fait en commission et travail de déplacement que différentes commissions arrivent faites et des délégations parlementaires de commissions en cas de qui contient des problèmes sur le terrain un peu partout dans le pays. Il y a différentes commissions et par exemple Belader, donc la dernière commission qui était montée, donc 4 qui était gagné entre la République dominicaine et Haïti à travers Belader sous frontière. Donc, il y a une commission et il y a plusieurs, et en chapitre, il y a plusieurs commissions qui sont toujours montées. Travail parlementaire, au fait de travail de contrôle, d'invitation minutieuse en commission, en salle des commissions. Travail, ça, au fait de contrôle parlementaire. Il y a fait, on dit que l'IP n'est pas suffisant. Moi, j'estime, c'est personnellement, que pas suffisant, ils ont dû faire plus. Habitants zone Kankok à Klembe dans la région Nord-Pays exprimé qu'est content par rapport à travail qu'a réalisé grâce à Caravane Changement. Habitants yo souhaité travail ça yo continuer. Richardson Jourdan à Peps Jean-Baptiste a dit nous plus. Travail Caravane Changement a continué dans le département Nord-Pays, précisément sous route Kankok à Klembe. Concernant route Kankok là, pour qu'on y a, c'est asphalte qui a été sous lui, qui va permettre aux habitants qui vivent dans la zone là, rader un souffle par rapport à poussière et puis la boue qui te compte bailler au problème. Technicien dans la compagnie Remix a travaillé la journée coule en nuit pour finir avec asphalte sous toute route Kankok là. Pour route Limbea, c'est terrassement qui a fait sous lui grâce à plusieurs matériels, travaux publics, transports, communications, mettez disponibles pour faire travail. Sans compter canal, cap fouillé sur route là, yon façon pour bailler de l'eau à direction. Travail ça yo cap réalisé sur route Limbea, gain en pile importance pour population qui te soif démarrage travail yo. Travail ça yo cap fait sur route Kankok ak Limbea, gain à wè ak caravane changement qui sont une stratégie administration Moïse là pour bailler en pile zone dans pays ya yon l'autre visage. Dossier éducation dans 4 GFOP pour mise en œuvre secondaire rénovée. Responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle annoncé un ensemble disposition pour épreuve anticipée dans secondaire 3 et épreuve obligatoire pour examen fin études secondaire. Yo. Directeur général ministère Méniol Jeune fait qu'on ait déjà pris toute disposition pour responsable acteur appliquer mes isayo dans l'idée pour faciliter réussite au programme. Nous invitons à suivre. Les élèves du secondaire 3, selon la série considérée, ils ont pu passer épreuve anticipée dans la discipline. Par exemple, sciences de la vie et de la terre, SVT,
Yo gagne français, créole, anglais, espagnol. Sciences, mathématiques, physique, SMP, yo gagne français, créole, anglais, espagnol. Sciences économiques et sociales, SES, yo gagne français, anglais, espagnol, créole. Et enfin, pour lettres, langues et arts, LLA, yo gagne français, biologie, géologie, physique, créole. Quand on élève du secondaire 4, candidat Sayo a participé dans l'examen 2, fin d'études secondaires, et il pral composé dans matière Sayo toujours selon série yota choisi. Pour sciences de la vie et de la terre, SVT, il a composé dans mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, biologie, géologie, philosophie. Pour sciences, mathématiques, physique, SMP, il a composé dans mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, philosophie, biologie, biologie, géologie. Pour sciences économiques et sociales, je vais le proposer dans mathématiques, histoire, géographie, économie, philosophie, biologie, géologie, physique, chimie. Pour lettres, langues et arts, LLA, je vais le proposer dans histoire, géographie, anglais, espagnol, philosophie, arts et musique, mathématiques, chimie. Pour les écoles qui n'ont pas pu mettre au pas, c'est-à-dire qui n'ont pas appliqué programme secondaire RENOVEA pour diverses raisons, ministère éducation nationale baille un délai de grâce de 2 ans. Soubopal, directeur enseignement secondaire ministère éducation nationale et formation professionnelle là, Maxime Mézilias explique qu'il y a plusieurs qualités matières dans secondaire RENOVEA, tant que matière obligatoire et matière concentration. L'hypothèse précision sous matière qui évalue dans l'épreuve anticipée, tant que langue et matière qui évalue dans l'école là, tant que informatique et éducation pour citoyenneté. Maxime Mézilias explique qu'il y a un niveau ministère qui a un programme accompagnement pour l'école. Dans le cadre secondaire RENOVEA, tant que séance de sensibilisation qui visait permettre inspecteurs faire travail et aider professeurs utiliser programme dans la classe et puis appliquer module accompagnement pédagogique pour élèves. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort et Fresnel Toussaint. Dans le secondaire 3 et secondaire 4, le travail technique est voué au ministère à faire des choix à partir d'un ensemble de matières que nous qualifions de matières obligatoires et de matières de concentration. Les matières de concentration, c'est des matières qui sont spécifiques à la série que tout le monde choisit ou que l'orienté là-dedans. Donc, comme ça, nous avons une dizaine de matières, à part les langues qui vont être évaluées et comme ils peuvent participer en secondaire 3, pour les séries sciences de la vie et de la terre, il va y avoir aussi, au nombre des disciplines qui sont de concentration et obligatoires, l'éducation à la citoyenneté et l'informatique pour le moment que les écoles pourront assurer l'évaluation chez elles. Donc les épreuves, comme les cours, si vous voulez, comme l'éducation à la citoyenneté et l'informatique, c'est des cours, ça, ok, ils sont capables d'évaluer dans l'école là et le ministère a compté sous notre ça tout pour capable compléter quantité matière que notre sous quantité matière timonio et gagné pour secondaire 3. Donc il y a au total 10 disciplines. Nous gagnons par exemple pour les sciences de la vie et de la terre, discipline de concentration qui les sciences de la vie et de la terre lui-même, qui la chimie, OK, la physique, ensuite des disciplines obligatoires comme les mathématiques, l'histoire et la géographie. Et l'éducation à la citoyenneté, l'informatique, l'anglais, français littérature, espagnol, créole. Alors nous sommes dit à l'heure que pour série ça,
Épreuve obligatoire en anglais, français, espagnol, créole. Et épreuve qui a réalisé la salle de classe, dans l'école lui-même, il y a informatique et puis éducation à la citoyenneté. Donc, les deux mêmes pour toutes l'autre discipline. Parce que là, nous avons décidé un socle commun de connaissances et de compétences qui établi à travers un ensemble de disciplines au nombre de 11. Et même quand il y a des disciplines, il y a réduit, alors il faut me faire remarquer que les disciplines ont été au nombre de 14, ils ont été réduit à 10 et il y a réduit en secondaire 4 à 8, comme ça. À 8, comme ça. Et puis, l'évaluation officielle a fait la poussérie sciences de la vie et de la terre, mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, SVT, philosophie. Pour série, mathématiques, physique, la fête, la mathématique, histoire, géographie, physique, chimie, physiologie, philosophie, excusez-moi, et SVT, c'est-à-dire biologie, physiologie. Et même genre pour SES, c'est-à-dire sciences économiques et sociales, l'épreuve officielle a fait sous mathématiques, histoire et géographie, économie, philosophie, sciences de la vie et de la terre, physique, pour lettres en art, histoire et géographie, anglais, espagnol, philosophie, art et musique, mathématiques, chimie. Donc, alors, il faut noter que son nombre de 6 à 7 disciplines qui vite fait est objet d'évaluation au cours de la quatrième année de la filière d'enseignement général du nouveau secondaire. Yon lot bo, directeur cabinet ministre éducation nationale ak formation professionnelle la Jackson Pleto, nan intervention l précisé ministre a nommé divers enseignants à travers pays a nan l'idée pour permettre programme secondaire rénové à atterri. Toujours dans micro Rachel Saint-Fort ak Fresnel Toussaint. Dans le temps, te gen section A, section C, section D. Je dis a pa gen bay sa encore dans système nan, n'a parlé de préférence de série. Pour regarder une série qui est les SVT, c'est sciences vie et de la terre. C'est-à-dire son série lui-même qui concentre totalement sur des matières tant que biologie, géologie, chimie. Un petit monde qui sorti fin faire filol ou fin faire secondaire 4 li dans série ça option li ka aller agronomie, il ka aller faculté de médecine, ka aller faculté des sciences. Mais section ça c'est les sections dès longtemps. Mais je dis aller les série SVT. Gon série tout c'est SMP, c'est mathématiques physique qui était une section c'est longtemps. Je dis à c'est série ça qui adressé à des matières tant que mathématiques physique. Et si moun ça va regarder va trouver que soit faculté des sciences, même tout agronomie ou bien l'école normale supérieure côté sciences. Gon l'autre série, c'est série sciences économiques et sociales. Bon, li même pas de gain équivalent dans le temps dans ce système non, mais li permettre ti moun orienter vers des matières tant que sciences économiques ou ka jwenn dans faculté de droit, dans sciences économiques ou ka jwenn dans inagé de tibay comme ça, mais c'est élément que mais yo met accent en pile sur économie, histoire, géographie et gen l'autre discipline qui enseigne, mais matière de socle c'est vraiment économie, tout le monde a pénétré vraiment dimension économique et qui permettent de participer dans le développement au pays. Et quatrième série carité son série lettres langue art, ça veut dire c'est tout le monde qui vraiment a des compétences surtout dans la matière littéraire qui maîtrise ta coup de philosophie langue, laisse à tout qu'ajouté dans l'autre faculté ta coup linguistique, mais c'est orientation. Ministère de l'Éducation nationale, l'y nommé, mes amis, 3488 enseignants pour l'école secondaire seulement. Ça veut dire qu'ils pourra le faire économie, pour le faire histoire de l'art, pour le faire tout balance à travers le pays. Nous, comptables, on a toujours partagé avec. L'instituteur, ça veut dire que les gens qui ont fait coup de la première à la deuxième année, à la sixième année fondamentale, l'y nommé 1120 personnes qu'il a à travers le pays. Ça veut dire en tout, nous avons 5608 enseignants de secondaire avec et fondamental de premier cycle qui nommé qui a rentré dans le système pour améliorer, pour installer totalement sa nourrice secondaire innovée et développer toutes les compétences dans l'école fondamentale là pour les gens qui arrivent dans le secondaire n'est pas totalement perdu. Ou tap suivre ensemble précision sur mise en œuvre secondaire rénovée. Merci Rachel ak Fresnel. L'autre dossier, dirigeant l'église de Dieu, les envoyés Mackinson Dorilas, répond question commissaire gouvernement tribunal première instance Croix des Bouquets Yves Jean-Noël sur mode prédication lieu ak fonctionnement l'église là. Mackinson Dorilas qui présentait tête li comme un prophète et accompagné à plusieurs fidèles l'église là. Nous invitons à suivre.
Jean Saté annoncé Mackenson Dorila sa compagnie à vocal semblier fidèle l'église des envoyés qui t'ai fait déplacement aller répondre question commissaire gouvernement tout tribunal première instance quoi des bouquets fonctionnement l'église là modèle prédication avec message qu'a véhiculé yo mode traitement la prescrit pour diverses maladies c'est principale question commissaire Yves Jean Noël t'a posé pour t'inviter pour nous garder avec lui. Et pour nous, qui ça a nommé comme document d'abord, et ensuite, en quoi approche palio capable de nuire santé population, à ne pas oublier, en matière de conduite, de politique sanitaire du gouvernement, ça incombe au ministère de la Santé publique, et en matière de la conduite de la politique pénale du gouvernement, ça incombe au ministère de la Justice, et il y a un transfert de compétences au commissaire du gouvernement qui l'a comme là pour capable et mettre en application politique pénale gouvernement. Mackenson Dorilas déclaré li pas pasteur et puis li pas diriger aucune l'église. Li seulement identifié tête li comme un prophète et un envoyé de Dieu qui possédait pouvoir guérison. Yo t'ai invité m'baké jodi a pour te connait qui bon j'ai autorisation en tant que prophète pour fonctionner. Fidèle yo pas fait Bruno. Je ne peux pas répondre parce que ça quand même il faut passer tout le bagage en l'aide dans l'autorisation. Je vais présenter excuse-moi à travers le monde. Si je dis un bagage qui dérange le monde, je comme ça. Je vais vous demander excuse à travers tout le monde qui attendait. Si vous avez dit que dit qui dérange le monde. Mackenson Dorila a bien pour rencontrer lundi 17 septembre 2018 là, autorité ministère Kilt sous dossier enregistrement institution la dirigée, qui d'après lui par l'église, mais plutôt un temple. Mais bien avant audition, hein, prophète la promette, commissaire gouvernement Kwade Boukeya, Yves Jean Noël, l'a présenté licence qui autorisait le fonctionner à temps plein dans un mois. Après un coup de pause, rete branché, n'a pas tourné. À l'étranger, dans le pays Brésil, ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, a renoncé à participation dans l'élection présidentielle. Luiz Inácio Lula da Silva a demandé tout le monde qui a voté pour lui, voter pour camarade li, Fernando Haddad. Nous invitons à suivre. C'est à quelques mètres, c'est l'île côté ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva pige peine pour 12 années en prison. Il a fondateur parti travailler à pété. Lui m'a dit 11 septembre une lettre officielle qui désignait Fernando Haddad comme candidat pour présidence république brésilienne. Il y a l'autre côté ancien chef l'État Luiz Inácio Lula da Silva a renoncé après plusieurs mois de bataille avec la justice pour le présenter sans résultat. Pour qu'on y a demandé tout le monde qui t'a voté pour lui, voter pour camarade lui, Fernando Haddad. Après l'exilet de ça, Fernando Haddad fait premier discours officiel lui, côté l'encourager, population envie de voter. Lui promet pour le tourner dans le temps, côté passeport brésilien, te gen valet. Fernando Haddad déclaré y a bien élection ça, nan non Lula, parti travailleur, parti communiste là, nan non syndicat yo, ak pays Brésil. A yon mois élection yo, Fernando Haddad totalisé 9% voix yo dans sondage. Toujours dans la page internationale là, sous escorte la police, habitant Caroline du Nord, à Sud, aux États-Unis, courir quitter la caillou face à prévision passage ouragan Florence, sous côte est américaine là. 1,7 million de monde doit quitter de Caroline à État Virginie avant passage catastrophe là. L'armée mobilisée pour aider Agence fédérale gestion situation urgence FEMA, fait face à tout risque ouragan Cacharier. Pour qu'on y a Florence classée catégorie 4 sous 5 qui gagnait dans l'échelle Saphir, l'État doué atteindre côté États-Unis en compagnie vent qui capable de dépasser 220 km/h. Et spécialistes prévoient ouragan qui a touché un bon parti territoire, rivé jusqu'à Pennsylvanie. Tout côté l'État doué passer, les habitants ont commencé à faire préparation. Ils ont stocké pile, manger et planche pour barricader en cas de nécessité. Dans le sport, président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, recevoir hier matin dans le Palais national sélection haïtienne senior après victoire sous équipe ce matin, lundi 10 septembre 2018, là, dans le stade Silvio 14. À l'étranger, sélection espagnole, là, crasé Croatie 6-0 hier matin, dans l'occasion, deuxième journée Ligue des Nations. Nous invitons à suivre.
Président République là, Jovenel Moïse, recevoir journée mardi 11 septembre 2018 là, dans le Palais National, sélection nationale football là, après large victoire, il fait dans la première journée, phase qualificative Ligue des Nations contre CACAF là, face à Saint-Martin, 13 goals à 0, journée lundi 10 septembre là, dans le Stade Évocateur. Président PIA, t'es profité féliciter Grenadier pour belle performance là, pendant le promettre bon genre accompagnement pour compétition si là. Dans l'autre ça qui t'a dit dans rencontre là, ayer mardi à Palais, président Fédération Haïtienne Football là, docteur Yves Jamba, va gagner pour le présenter budget sélection pour Ligue Nation dans un espace 8 jours sous demande président Jovenel Moïse. Joueur pour gagner droit à qui on prime chaque mois et pour bénéficier d'un passeport diplomatique qui permet yo voyager à travers le monde pendant exiger un numéro d'identification fiscale, numéro NIF à carte d'identification nationale, SIN, si yo pas. Voilà, amis téléspectateurs, c'était toute information nous déposée pour aujourd'hui. Nous te prenons pile plaisir pour informer vous. Restez sous TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.